Ladies and gentlemen, welcome to the interview on Gabon 24. Some people agree that through dance, students learn teamwork, focus, and improvisational skills. Dance awakens new perception in children with help them to learn, to think new things. Dance also enhances skills for perception, observation, and concentration, which will undoubtedly help students in all their school subjects. That is, today we're going to talk about dancing with Mr. Michael Anise, who is an artist, dancer, and choreographer. Together, this is what is going to happen today. Sir, good afternoon and welcome to Gabon 24. Thank you. Good afternoon, Mr. Furibe. All right. So, without wasting time, I'm going to ask you the first question. Some of people maybe wonder who you are exactly. Can you introduce yourself to the viewers? Deeply speaking. All right, no problem. So my real name is Ngadi Jean Anise. Okay, and my second name, my artist name is Michael Anise. Okay. All right, I'm walking to the city hall to the general secretary. Okay. And for my professional artistic is I'm a dancer, choreographer, and dance teacher. Great. Right. So we're very happy. So when we were kind of making some research about your life, we discovered that, and your artistic, life, we discovered that you have got a motto, which is dancing is sharing and sharing is dancing. The population, the viewers want to know, what's that about? Dancing is sharing, sharing is love. Oh, that's great. Yes. Okay, yep. Okay, thanks for dancing correcting. Dancing is sharing, sharing is love. Okay. All right, so when you dance, okay, you can be upset. Dance transmits the emotion, the positive emotion, you know what I'm saying? The positive emotion and love, you know what I'm saying? It's the reason why I say that dance is sharing, sharing is love. When you dance, it's not for you, yourself. When you dance for your people. It's not your own person, but you dance for all of them. Person you're meeting, you know what I'm saying? Okay. Just you transmit the some emotion, the positive one. This the all emotion, I call them the love. Oh, great. You know what I'm saying? I do. That's this right. A scientific one, you know what I'm saying? Okay. All right. So you mean when you dance, yep, there is a message that you convey with, yep, the audience? Yeah, the message, the simple message that in your body to express. Okay. You express that, okay, I'm dancing just to you. You know, some dance, something like that, maybe the pop dance, the traditional one. You transmit the emotion. You transmit the emotion, the message, all right? All messages, anything. It depends on someone making you to meet you, you know what I'm saying? Okay. In your face. It's the reason why I say that this is the sharing. Sharing is love. We know that there are various dances form, right? We know there are various dancing forms. Yeah. Is it the same message that we can transmit, that we can convey to the audience? Is it pop dancing? Is it like witty dancing? Is it the same message that we transmit? Okay. It depends. In witty dance, when the dancer of witty, witty, say, yeah, the real name is witty. Okay, witty. When the dancer of witty dancing, it's not like the pop dance, the dancer transmit the message. It's not the same message, but the difference is going to be where. If you, Mr., for example, you, Mr. Furibe, sure, dance witty, and me, Michael Anise, I'm dancing pop. Okay. It depends of the, what call it, of the... The language of the body? The language of the body. Okay. Exactly. I can, if I do something like that in witty, and in the pop dance, I do something like that. All right, this, okay, means maybe something, almost something. It depends of you. Okay. You meet me. You know what I'm saying? I understand, but
Okay, definitely. We do understand that dancing can be a scientific discipline as long as you are a teacher of dancing as well. I think you are. How comes that dancing, as far as I'm concerned, I think that the fact of only, let's say, moving my body is all, you know. But you mean there are measures. Mm-hmm. There are measures. When you dance, you respect some measures, movement, and there's a message. Yep. So it's scientific. Yep. The scientific. It's going to be scientific. It's not only a business. No, it's not only your business. Okay. Every art, okay? Every art, each art are the cut, the measures. In dance, we got 8 cut. Oh, there are 8. Yep, no. Goodness. It's like the universe, there is the dance is going to be between the music. All right, when you mix it, you find one cut, one measure. Let me explain to you. In the music, they say do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Okay, sure. Okay? We got it, okay. Yeah. We've got 8 measures. Chords. Okay. Okay, in the dance, we have 8 measures as well. Measures. You say 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. So music is it's gonna be music is do, re, mi, fa, sol, la, si, do, and so on. Dance is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, that's great. Okay. It depends of the beat, the rhythm. Okay. All right. Okay. And it's the universal one. You can go to the China, to wherever. Namibia, wherever. It's the same thing. Okay, so parents are watching you, and I know that you've been taking care of quite a lot of young people dancing with you. So the question I want to ask is, what can be the reason for a parent to leave his children come and dance with you? What's going to be? How is it going to be profitable to education? Just one reason, simple one. Go ahead, sir. The serious, the discipline. Okay. Right. When you dance. Anyway, for example, in my crew, every day and every time, only just maybe two parents, all parents, gave me their children. You know why? Come again. Do you know the reason? Tell me, sir. In my crew, okay, I teach every lessons. All right. The first. The education, the manners. The second one, what do you call it? Discipline? The discipline. The child, dancers, we come to my student to learn the dance at my place. The first measure, the first element to be my dancer is to warn in the school. Oh, great. So you encourage success in the school, education. At the school. Success in the education. Great. It's the first element. Okay. The second one, your body is going to be safe. You know, really, be safe. Okay. If you want to be my dancer. Sure. You better have some good behaviors and good attitude. Good attitude first. Okay. That is important. Okay. So actually you said you encourage education, you encourage your dancers to succeed, because most of them, I imagine that maybe they are at a university level, but maybe, I don't know, if you allow me, sir, to ask you the question, you yourself, because most of people think, well, Michael Anissa is just a dancer, maybe he didn't attend any higher education degrees. Are you a model in education? Do you have any university education? Oh, I cannot talk about me myself. Okay. I don't like it. Because the humble. Question. Okay, okay. In my education, so my level is not. Okay. No. All right. Because you know, as long as you are a mentor, you spend your whole life, like 20 years career. Yep. Okay. No, 26. 26. Exactly. 26. Okay, 26 to be exact. Exactly. That's great. So that means
Well, I suppose, anyway, that if parents check that you yourself accept the fact that you're a dancer, but you also have, a high education, listen, level, it's going to be that more motivating for them to understand that somebody, they can let their children to be mentored by you because you're going to motivate them. Right now, I became the real expert in the dance. Okay, so you have degrees, you have diplomas, you have degrees. I have it. From dancing schools or from... Both. Okay. Education and dance school. Oh, that's great. Really? Okay. The reason why I'm there. That's great. Anyway, are a model for the society, for the Gabonese society. Yeah. And that's the reason why, as long as we know that the Gabonese population and youth are very interested in dancing, all right? So we thought that having you on this set will enable parents to understand that through dancing, we can educate our children. Is it clear? Yes, so, clear. Sir, do you have contracts with the dancers, or they just come and then dance, that there's no protection for them? Are they legally, let's say, dancing with you, okay? I've got an agency. All right. I've got 15 dancers right now. Okay. All dancers are the contract. All right. It's a professional one. All right? Okay. They are not free with me. No, 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 no. All right. They are in the contract with me. We're going to the end of this TV show, and I apologize. Yeah, sure, you know, time here. You know, we don't see time passing. But last question, maybe, sir, if you allow me. Yeah. We know that you are an ambassador, UNOAIDS ambassador. How long have you been, and then what's your activities fighting AIDS through dancing? Yep, so, you know, that this disease is not... So wow, you know what I'm saying? Okay. I lost someone. All right. Yep, in my family. I apologize. Okay. Yep, thank you. Someone, they're really important in my family. And I decided to fight AIDS. Yep, to fight AIDS. Through dancing. On 2006. Okay. Since 2006, I'm fighting It's through dancing. Yep, through my dance. Okay. So messages like dance on my body, and I made with my manager. We made the movie clip, put it in YouTube, and then you became I became UNOAIDS ambassador. Do you have a last question? Do you have a last say to our viewers? A last word for parents and for dancers as well. So it's just to say thank you for you inviting me in. Here to do the interview. I like it, and just to say, dance is sharing is love. Mr. Michael Anissa, we thank you very much for accepting our invitation. Thank you. Thank you, sir. I remind that you are Mr. Michael Anissa, artist, dancer, choreographer. Together we talk about dancing and education. How important is dancing for education? Thanks for following us. That's the end of our show. Ladies and gentlemen, thank you. You can keep on watching us on social networks like YouTube, Facebook, and Twitter. Keep watching. Goodbye. Célébrez les fêtes avec Gabon 24 du 29 novembre 2019 au 1er janvier 2020. Profitez d'une réduction de 24% sur la diffusion de tous vos spots publicitaires. Contactez-nous au 066 39 60 86. Je m'appelle Marie-Noëlle Sokamba. Retrouvez-moi du lundi au vendredi dès 7h30 dans l'invité du jour sur Gabon 24.
18 décembre 2019, Libreville accueille le 9e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour la redynamisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Sous la présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la CEAC, les chefs d'État et de gouvernement vont se pencher sur la réforme institutionnelle de notre communauté économique régionale afin de la rendre plus efficace, plus efficiente et davantage au service de l'intégration économique et des peuples. Ce 18 décembre 2019, Libreville accueille le 9e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour la redynamisation de la CEAC. Le braconnage en Afrique et surtout au Gabon ne cesse de prendre des proportions alarmantes. Le degré et l'étendue de la violence est perpétrée par les braconniers sur la faune et les éco-gardes en charge de sa préservation représente une réelle menace pour la biodiversité et la sécurité régionale. Il est temps de faire quelque chose face à cette menace grandissante. En Afrique, ce sont plus de 1000 gardes forestiers tués dans l'exercice de leurs fonctions en l'espace d'une décennie. Nos éco-gardes doivent désormais faire face à des braconniers et trafiquants armés et dangereux, appuyés par des organisations criminelles qui n'hésitent pas à tirer sur les gardes forestiers pour atteindre leur fin criminelle. Le gouvernement gabonais est engagé dans cette lutte contre cette criminalité environnementale et n'hésite pas à engager leurs efforts pour défendre et protéger notre biodiversité. De vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres de votre journal. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC, les ministres et experts de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se réunissent ce lundi à Libreville. La réforme de la CEAC au cœur des travaux. La COP25 s'est refermée ce dimanche à Madrid. Sentiment mitigé et manque d'ambition face à l'urgence climatique sont les conclusions tirées des travaux. Et puis en sport football, 8e de finale de la Ligue des Champions, le tirage au sort c'est ce lundi. Deux chapeaux comportant des probables champions. Et pour parler de sport, nous accueillerons sur ce plateau Monsieur Sport de Gabon 24, Armel Djoué-Bougo, pour revenir sur l'actualité sportive. A tout de suite. Bienvenue à tous à cette grande édition d'information qui s'ouvre au Gabon avec le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, un sommet consacré à la réforme de l'institution. Ce lundi, déjà, les ministres experts de l'institution se retrouvent à Libreville avant la rencontre des chefs d'État, un rendez-vous qui devrait constituer l'épilogue d'un processus amorcé en 2015 à N'Djamena au Tchad, lors d'un sommet au cours duquel les leaders de la CEAC avaient affirmé leur ambition de réformer en profondeur l'organisation. Les dirigeants devraient examiner donc les projets relatifs au cadre organique de la CEAC, au règlement financier, au statut du personnel ou encore à l'insertion du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, en abrégé COPAX, au sein de l'architecture institutionnelle de la CEAC. Un sommet que vous vivrez instant par instant pour ces trois jours sur les antennes de Gabon 24.
Toujours au Gabon, fin du dialogue intensif entre le pays et l'Union européenne, des discussions qui ont débuté en 2016 après la crise post-électorale qui avait été suspendue, ces discussions, et qui n'ont repris qu'en novembre de l'année en cours. À l'issue des pourparlers, Bruxelles félicite le pays d'Ali Bongo Ondimba pour l'amélioration du climat social et la prise en compte en 3 ans de plusieurs paramètres liés à la protection des droits et libertés fondamentaux. Gabriel Ratanga, Marielle Biogou et Joël Tatou. Quand il y a une crise, il est de bon aloi pour les parties concernées de s'asseoir autour d'une table et discuter. Après la crise post-électorale de 2016, un dialogue s'est ouvert entre Bruxelles et Libreville pour tirer au clair tous les débordements et autres manquements constatés lors de cette période. Et on a bien travaillé sur toutes les questions des droits de l'homme, des libertés fondamentales et aussi de tout ce qui est les législations et les campagnes électorales. Et on a pu en effet avoir un projet, un brouillon de conclusions qu'on a entre-temps agréé et qu'on va mettre en vigueur à partir de maintenant et en commençant exactement un dialogue politique régulier entre les deux parties, en travaillant en même temps sur ces questions et approfondir chacune de ces questions sur des questions de gouvernance et de démocratie. Un avis partagé par le chef de la diplomatie gabonaise pour qui ces discussions ont été le lieu de débattre, sans tabou, de tous les sujets liés à la période post-électorale de 2016, mais surtout pour permettre au Gabon et à l'UE, deux partenaires de longue date, de reprendre le dialogue. Nous avons travaillé de manière sereine, sans éluder aucun sujet qui a été mis sur la table. D'abord parce que ce sont des sujets que nous connaissons et que nous reconnaissons comme essentiels dans notre relation. Ce sont des sujets sur lesquels les plus hautes autorités nous ont engagés à discuter sereinement, tout en invitant nos partenaires à nous accompagner lorsque ce sera nécessaire. Un dialogue qui se referme donc sur une note positive et qui vient confirmer l'avis de plusieurs observateurs pour lesquels le pays d'Ali Bongo Ondimba est un exemple de stabilité dans la sous-région. Toujours au Gabon, on parle cette fois d'infrastructure et de la remise à neuf du tronçon routier entre le PK 76 et 80. Le chef du gouvernement a tenu à se rendre lui-même sur les lieux, constater les manquements, mais aussi les avancées des travaux. C'était dimanche, un axe routier qu'il faudrait, selon le Premier ministre Julien Kogi-Bécalé, réhabiliter, et ce, dans les plus brefs délais. Sabrina Massima et Adanché qui étaient sur le terrain, voici leur compte rendu. Les usagers de la route nationale 1, entre les PK76 et 80, vivent depuis ces derniers temps au rythme d'un vomissement incessant et un concert d'engins lourds pour la réhabilitation de ce tronçon devenu un véritable parcours du combattant, du fait de sa dégradation avancée. Informé de la situation, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait instruit le gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour remettre ce axe très fréquenté à jour. D'où la visite du Premier ministre sur place. Dans l'urgence, nous allons réaménager la section de route nationale numéro 1 qui part du PK 59 au PK 80. Et je suis venu moi-même constater déjà le début des travaux. Et les entreprises choisies, retenues, Colas en l'occurrence, s'installera dès demain et commencera les travaux. Une enveloppe de 900 millions de francs CFA et des moyens conséquents ont été mobilisés par la Direction générale de l'entretien, des routes et des aérodromes. Depuis le lancement des travaux, le trafic reprend progressivement à la grande satisfaction de tous. Donc concrètement, à partir de demain, nous allons procéder à de l'acheminement de matériel et des machines. On devrait, à partir de mardi, avoir une quinzaine de machines, 15 à 20 machines sur le site. Dans un premier temps, à réaliser des fossés et parallèlement, rapidement, traiter les points noirs les plus importants, les zones les plus déformées, les plus boueuses, pour pouvoir rétablir rapidement un trafic, même si c'est dégradé, mais un trafic un peu plus facile que ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce tronçon, pas totalement achevé, est désormais praticable en dépit du bourbier causé par les intempéries qui contribuent à le dégrader. Et direction le Niger, ce 15 décembre, Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli un sommet extraordinaire des dirigeants du G5 Sahel après l'offensive meurtrière lancée par des djihadistes contre une base de l'armée nigérienne. C'était à Inates, dans l'ouest du pays. Regardez. Ce sommet extraordinaire a débuté à huis clos, autour d'un ordre du jour resté confidentiel après le report de celui que le président français Emmanuel Macron avait prévu à Pau, en France.
Autour du président Hoth, Mahamadou Issoufou, sont réunis ses homologues maliens, tchadiens, burkinabés et mauritaniens. Rien n'a filtré sur les sujets qui seront abordés par les 5 chefs d'État. Il sera indéniablement question de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Le choc est encore grand à Niamey, après l'attaque d'Inapt à la frontière malienne qui a fait 71 victimes parmi les soldats nigériens. Ces 6 derniers mois ont été les plus meurtriers pour le Sahel depuis 2012. Les Maliens ont perdu plus de 140 soldats et les Burkinabés plus d'une quarantaine. L'émotion était grande quand les chefs d'État se sont rendus dans le carré des martyrs à Niamey pour un hommage aux soldats tombés à Inapt. Un grand panneau a été installé à l'occasion. C'est toujours pénible de voir le nombre de morts dans tous les pays du G5 dans cette lutte contre le terrorisme, a déclaré le président burkinabé. Un monument devrait rendre hommage sur ce lieu à ces militaires tombés au combat. Le président français à Niamey au Niger, le ministre français de la Culture, lui, à Cotonou, au Bénin, dans le cadre d'une exposition préparatoire à la restitution des biens culturels pillés en 1832 dans les palais royaux d'Abomey. On a Charline Mouinconde signe ce reportage. Arrivé dimanche 15 décembre dans l'après-midi, Frank Rister est venu préparer l'exposition des œuvres emblématiques de la collection du général Dodds. La France investit dans le programme de restitution des biens culturels aux pays africains, dont le Bénin, le premier à avoir exprimé une demande de restitution avant les conclusions du rapport Sars-Savoy. Après le Premier ministre français Édouard Philippe à Dakar en novembre dernier, c'est au tour du ministre de la Culture de préparer le chemin retour de ses biens culturels. La France se lance à travers cette exposition à une véritable opération de charme pour montrer au peuple béninois toute sa volonté à respecter l'engagement du président Emmanuel Macron du 28 novembre 2017 pris à Ouagadougou. Et ce, en attendant qu'une loi autorise définitivement leur restitution. Durant son séjour en terre béninoise, le ministre français de la Culture sera accompagné dans sa mission par son homologue béninois Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola, celui des Affaires étrangères Aurélien Abenossi et le comité en charge de la restitution des œuvres et de la coopération muséale présidé par Nourini Serpos, un ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO. Paris étant favorable à un prêt de longue durée des 26 œuvres que le président français a promis restituer rapidement au Bénin, un programme de travail sera élaboré dans ce sens et sera signé ce lundi. Les collections publiques françaises renferment au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne. Plus des deux tiers, 70 000, se trouvent au Quai Branly, dont 46 000 ramenés durant la période 1885-1960. Plus de 20 000 autres se trouvent dispersés dans de nombreux musées, y compris au Havre. Et puisqu'on parle de culture au Congo, sous le signe du dynamisme de la jeunesse et de la proximité avec les publics, la 16e édition du Festival de théâtre de Brazzaville s'est tenue ce week-end, un rendez-vous culturel qui compte s'étendre jusqu'au 22 du mois en cours. Sabrina Kondipenda nous en dit plus. À travers ce festival Matina sur scène, la culture a une fois de plus été mise en avant du côté de Brazzaville. Jeunesse, proximité, qualité littéraire, tels sont les sujets qui ont été abordés au cours de cette soirée culturelle qui a débuté avec la présentation dans un quartier populaire congolais de L'Or des Femmes, adapté du roman Mambo et Mengnali, ancienne ministre de la Culture. Lancé en 2003 par 5 hommes de théâtre dont le dramaturge Dieudonné Nyanguna, Matina a accueilli du nombre venu des deux Congos, de la France, de la Suisse et du Bénin. Matina sur scène, rappelons-le, est un festival pluridisciplinaire consacré au théâtre et aux arts vivants. Il se tient chaque mois de décembre à Brazzaville et fait la part belle à la richesse littéraire du Congo-Brazzaville avec des chants des écrivains locaux, parmi lesquels Sonny Laboutansi et Emmanuel Dongala. Dans le reste de l'actualité, nous l'annoncions en titre, la COP25 a conclu ses travaux sur des sentiments partagés avec quelques avancées, mais assez. Pas assez d'ambition face à l'urgence climatique. Je suis déçu du résultat, a déclaré d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de la clôture de cette conférence climat des Nations Unies qui s'est achevée, comme on le disait ce dimanche à Madrid, Linda Gaël-Moronga. Débutée il y a 2 semaines, la COP25 arrive à son épilogue. Le texte final appelle à des actions urgentes pour réduire l'écart entre les engagements et les objectifs de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius.
Je tiens à remercier toutes les parties pour l'effort que tout le monde a fourni pour essayer de trouver un accord afin que nous puissions compter sur un marché robuste et avoir cet article dont nous avons tant besoin dans notre pays. Un article qui va répondre aux besoins de tout le monde et qui a une intégrité environnementale. Les grands pays émetteurs n'ont pas fait d'annonce significative pour rehausser leurs ambitions ni donner de signes clairs pour atteindre ces objectifs en 2020. Je tiens à remercier tous les ministres qui nous ont aidés, leurs équipes et secrétariats dans cet effort. Il y a eu tellement de réunions. On se rapproche tellement d'un accord. J'espère que nous pourrons utiliser ce matériel afin de trouver un accord final lors de la COP26. Alors, merci à tous. Il faut se fier aux prévisions scientifiques pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Le rendez-vous est pris pour la COP26. Officiellement, la Grande-Bretagne a été désignée pour organiser l'événement. Cette COP se déroulera probablement sans les États-Unis qui envisagent quitter l'accord de Paris en novembre prochain. Et juste noter en rapport avec cette actualité, avant la fin de cette COP25 à Madrid en Espagne, le Gabon a été désigné pour prendre la présidence du groupe des négociateurs africains sur le climat. Une désignation qui vient consacrer l'intense et constante activité diplomatique du pays d'Ali Bongo Ondimba, dont la lutte contre les dérèglements climatiques est plus largement en faveur de la protection de l'environnement. Toujours hors du continent africain, en France, la réforme des retraites chère au gouvernement Édouard Philippe continue de faire grincer des dents. Ce dimanche encore, le ton est monté entre le gouvernement et les syndicats qui s'opposent au projet. Rodney Ovono pour les détails. Au 11e jour de grève massive, la situation ne change pas pour les transports, qui sont toujours perturbés alors que le débat de fond sur les retraites apparaît parasité par la mise en cause de l'artisan de cette réforme, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. Il est ainsi fragilisé par des soupçons de conflit d'intérêts avec le monde des assurances privées après des omissions dans sa déclaration d'intérêts, un document que doivent déposer les membres du gouvernement auprès d'une autorité scrutant le patrimoine et les activités des personnages publics. Une omission qu'il a rectifiée ce samedi après avoir déclaré 13 mandats d'administrateur ou de président, dont 11 bénévoles, dans divers organismes selon Le Monde. Ces derniers jours, Jean-Paul Delevoye avait été vivement critiqué pour avoir exercé deux mandats rémunérés, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an auprès du groupe de formation IGS et d'un think tank sur les assurances. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est dit convaincu de sa bonne foi, éloignant l'incertitude qui planait sur une éventuelle démission, s'est toutefois montré inquiet de ne pas voir assez de trains circuler à Noël. Le chef du gouvernement a sévèrement critiqué les grévistes qui, selon lui, provoquent de très importantes perturbations dans les trains et dans les transports urbains. Si Philippe a exhorté les grévistes à faire une trêve et prendre leurs responsabilités, ces derniers ont déjà annoncé qu'ils n'envisageaient pas de trêve pour les fêtes de fin d'année. Selon Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot, premier syndicat des employés de la compagnie ferroviaire SNCF, si le gouvernement veut que le conflit cesse avant les fêtes, il a toute la semaine prochaine pour prendre la décision de bon sens qui s'impose, le retrait de la réforme. Le trafic restera donc très perturbé ce dimanche et lundi, avec toujours un quart de train à grande vitesse et un tiers des trains régionaux, ainsi que la quasi-totalité des lignes de métro fermées à Paris. Mardi, cheminots, étudiants, employés de la fonction publique, professions de santé, avocats, magistrats, enseignants sont attendus dans la rue pour une nouvelle journée de manifestation. Et pendant ce temps, au Mexique, le projet de construction d'un train qui relierait les sites archéologiques mayas et des stations balnéaires crée la controverse. Le gouvernement consulte les communautés indigènes car, selon lui, ce projet en faveur du tourisme aurait un impact sur l'environnement des peuples autochtones. Marie-Pascale Moïsi. Baptisé le train Maya, le projet de construction d'une voie ferrée sur 1500 km traversera les territoires mayas au sud-est du pays. Le sort du méga-projet controversé est désormais entre les mains des communautés indigènes appelées ce week-end à décider du lancement ou non du chantier. C'est ce que je veux. Je veux qu'ils nous informent, je veux que les autorités viennent ici pour nous dire comment ça marche, qu'ils nous l'expliquent parce qu'on ne comprend pas. Le dit projet évalué à 5,6 milliards d'euros.